Exercice sur les fonctions affines, on va nous demander de déterminer le sens de variation d'une fonction affine. Voici donc l'énoncé, on me demande de déterminer le sens de variation d'une fonction g définie sur R par la relation g de x est égal à 5 moins 3x. On reconnaît tout de suite que g est une fonction affine, puisqu'elle s'écrit sous la forme g de x est égal à a fois x plus b ou m fois x plus p selon les livres ou les enseignants avec qui vous travaillez. Attention ici, si on respecte les notations avec a et b, le coefficient a vaut moins 3 et le coefficient b vaut 5. Fonction affine est mise sous forme un petit peu à l'envers, b plus 1x, et donc le coefficient a vaut bien moins 3 et b vaut 5. Une fois qu'on a dit ça, on a pratiquement tout dit. On observe maintenant que a est égal à moins 3 et donc négatif. Et en s'appuyant sur le théorème de Cour que vous devez connaître, g est alors une fonction strictement décroissante sur R. On sait que la variation d'une fonction affine ne dépend que du signe de son paramètre a ou m. Et donc, a étant négatif, la fonction est décroissante sur R. On peut conclure avec ce tableau de variation